Bon, bonjour à tous, voilà, je vais vous présenter ce jeu, c'est Big Air Edition Stoken. Donc j'ai coupé le son pour éviter d'avoir encore des problèmes avec YouTube pour les droits d'auteur sur la musique. Parce que ça, je comprends pas qu'ils fassent un délire là-dessus, alors que c'est sur les jeux, donc on ne peut pas faire autrement qu'avoir la musique sur les jeux. Donc les droits d'auteur, je sais pas comment faire pour arriver à laisser le son. Donc tous les jeux où il y a du son avec de la musique, pour les... je sais pas comment faire pour arriver à avoir le droit d'auteur. Enfin bref, donc je vais vous présenter ce jeu rapidement. Donc voilà. Alors il y a bien longtemps que voilà, il y a la montagne, voilà, il y a bien longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, donc je ne sais plus trop ce qu'il faut faire. Donc c'est un jeu de snowboard encore, de ski je crois aussi. Il y a plein de choses à faire, je pense, mais je ne me rappelle plus, voilà. Donc je vais essayer de mettre un peu de son, voir s'il y a un peu de musique ou pas. Donc il n'est pas en français du tout ce jeu, donc enfin les dialogues du moins sont pas en français. Bon, on va passer l'intro, le tuto, bon, on fout un petit peu, voilà. Session, on prend un clic, on va essayer celui-là. Donc c'est dans le même principe que les X. Donc on va voir un petit peu ce que je me rappelle de ce que j'avais pu faire sur ce jeu là. Échec de défi, donc nouveau départ, apparemment aussi le premier défi. Alors je comprends pas trop. Comme vous pouvez voir, j'ai pas trop compris, donc on va essayer de le refaire encore un coup. Donc on va s'amuser à essayer de faire une descente carrément. Avalanche. Donc le principe, c'est, je pense que ça va être de descendre avant l'avalanche de finir. Thank you.
faudrait peut-être que je me remette un petit peu mieux dans ce jeu parce que là, je suis un peu perdu. Ah oui, voilà, j'appuie sur X pour participer aux épreuves. Ah, Milayou. Ah, ben, Milayou. Ah, ben oui, je lâche pas le machin là. Je lâche pas le LT. Mais du coup, j'avais un tir ici. Ouais. On va essayer ça. Qu'est-ce qu'il fout là le scooter des neiges avant? Pourquoi tu mets la glisse? Enfin bref. Par de là. Ça sera plus simple. Bon, les graphiques sont, bon, pour parler un peu de ce jeu, les graphiques sont assez sympas, je trouve. On est quand même assez libre d'aller jouer avec eux quand même, dans l'ensemble. J'ai perdu la piste, ce qui est pas bon. On va essayer de descendre par là. Merde, merde. Je pense qu'au bout d'un moment, je me retrouve bloqué dans une cuvette et je vais être emmerdé. C'est après le rail là. Alors le problème qui est un peu sur ce jeu, ce que je trouve qu'ils ont loupé, c'est que voilà, on a les épreuves, mais après on peut pas descendre jusqu'en bas de la montagne. Comme je suis en train de vouloir faire en bas la game, vous allez voir qu'au bout d'un moment on va arriver dans une cuvette et on ne peut pas s'en sortir. Voilà, je vais arriver dans une espèce de cuvette, un peu loin là. Voilà, je crois que je suis arrivé dans le bas de la cuvette, voilà. C'est ce que je vous expliquais. Et on ne peut pas aller plus bas. Parce que je trouve ça un peu dommage. Ici, carte de la montagne, voilà, je vais vous montrer. Je fais ça. Je sais plus comment on faisait et on pouvait voir la carte. Je sais plus comment je faisais, que je voyais la carte.
Vous pouvez voir, voilà, je peux pas aller plus loin. Donc voilà un peu sur ce jeu, ce qu'on peut en dire un petit peu. Donc je m'en rappelle plus comment je faisais pour voir où elle était située sur la carte. Enfin bref, donc on va essayer de refaire une descente, peu importe ce qu'on peut faire. On va essayer ça, voir. Voilà, donc on va voir. Et sur ce, je vous laisse sur ces images. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.